Salut les Flatlanders, c'est Warn Up. On est en direct du local, hein. Vous commencez à le connaître. Ce doux petit spot de flat, hein. C'est fait pour. Et aujourd'hui, on va le rentabiliser. On s'est lancé avec Rewax un défi à distanciel et on va faire un Orbit Challenge. Le principe, c'est de faire le plus de tours en 30 secondes. On aura 3 essais chacun. À l'heure où je vous parle, Xavier a déjà fait les 3 tentatives de son côté. Il m'a pas encore communiqué le nombre de tours qu'il a fait, mais on va l'appeler en direct à l'issue de mes 3 tours pour voir qui est le vainqueur. Donc vous, vu que la vidéo de Rewax est déjà sortie, vous savez, moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas. Donc bon, ça va être la surprise, c'est tout de suite. Là, du coup, j'ai mis le petit minuteur de 30 secondes. Et donc, je vais partir de la ligne au top départ et je vais pomper pendant 30 secondes. Donc, je ne sais pas si ça va être court ou si ça va être long. Va pas falloir être trop gourmand sur les pompages parce que si c'est loupé, c'est foutu. Donc, va falloir jouer sur la consistance et la régularité. Allez, c'est parti. On va régler le minuteur. On va se mettre à 40 secondes, le temps que je puisse prendre ma position. Et on va décompter à partir de 33, 3, 2, 1. Et il me restera 30 secondes pour faire le plus de tours. 3, 2, 1, top. Oh, ça commence mal. Voilà, avec le Run the World. Par contre, alors je me tâte. Est-ce que je compte maintenant ou est-ce que je repars tout de suite à l'aveuglé? Ah, j'ai envie de savoir quand même. On va regarder tout ça. Alors j'ai compté, ça fait 13 tours. J'ai passé la ligne d'arrivée au moment où ça a sonné. Ah, 13 tours. Je pense que Xavier a fait mieux. Bon, on va repartir tout de suite parce que je commence à me refroidir là. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Je ne sais pas si je vais rester sur la même méthode. Soit je mets le pied arrière sur le pegs, comme je l'ai fait, contrairement à Rewax qui l'a mis sur le plateau. Et ensuite, soit je garde les deux mains, soit j'enlève une main. À voir ce qui est le plus déstabilisant. Il faut que je réfléchisse, mais ah, c'est stratégique. Hein. 13 tours. Ah, c'est horrible parce que vous, alors vous regardez la vidéo, vous savez, moi je sais toujours pas. Bon, allez. Allez, faut agir. C'est parti pour le deuxième essai. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, c'était inconfortable. Je pense pas avoir fait mieux que le premier, je sais pas. Je pense pas que c'était la meilleure des techniques. J'étais pas à mon aise. Oh, je suis choqué. La sonnerie, elle a sonné pile au demi-tour de plus. Je suis à 13,5 pour le deuxième essai. Mais ce qui fait que je suis encore plus perdu sur la manière de faire pour mon dernier essai. C'est l'ultimatum. Ta 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 ta. Bon, allez, on part pour le dernier. Et après, on va appeler Rewax. Le dernier essai, j'ai pris ma décision. Je vais le faire demain avec le pied arrière sur le pegs. Et je vais tout donner. Enlève la casquette. Ça me freine. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, mais il va décrocher. Voilà, pour l'honneur, c'est plaqué. Aïe, 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 14,5, pile à la limite. Pile à la limite. On s'est dit qu'on avait une tolérance, enfin une tolérance, qu'on faisait au demi près. Bon, bah allez, on va appeler Rewax en direct. Hein. Allô? Là, je te mets en haut-parleur, tu es sur écoute. Alors, attends, je me rapproche de la caméra. Ah là là, alors je suis bien content. Je vais t'expliquer. Alors, ça a donné quoi? Alors, le premier essai, si j'ai bien compté, j'ai fait 13 tours. Voilà. Ok, bah je t'ai battu sur le premier essai. Ok. Deuxième essai, j'ai enlevé une main. Ok. J'ai fait 13,5. Ok, bah je t'ai encore battu sur le deuxième voilà. essai. Voilà, c'est exactement ce que je vous avais dit. C'est sûr qu'il va me battre, large. Et le dernier, j'ai fait 14,5 pile. Ok, bah je t'ai battu du coup. Ah là là, ah le charreau. Bah pas beaucoup alors je pense parce que... Non, si je me souviens bien, premier essai, j'ai fait 13,5.
Ouais. Deuxième essai, j'avais fait 14,5. Ah, t'es chaud. Et le dernier, j'ai fait 16. 16 tours. 16! Il a fait 16! Il a fait 16! Warnup lose and Xavier win. Hein. Ray Wax win. Hein. Eh ouais. C'est le big boss des two wheels combo. Donc, je sais pas. Est-ce que vous me laissez deux essais à blanc pour voir si je peux arriver à 16? Ou. Vas-y, fais deux essais, voir si t'arrives à 16. Je sais pas. Je vais retester un ou deux. Peut-être. Allez, un dernier essai. Je vais essayer un essai par curiosité. Mais. Ah ouais, battu haut la main par le Ray Wax en personne. Ok. Dites-nous en commentaire les gens que vous aimeriez qu'on challenge sur ce défi. Hein, parce que. Il y a Team Fa qui sait en faire, John bien entendu. Bah, écoutez, ça va partir sur un dernier essai. Hein. Xavier étant en tête, c'est un essai à blanc, bien sûr. Xavier a gagné ce défi, qui était très intéressant, c'était marrant, c'était rapide à faire, c'était efficace, mais c'était vachement cool. Donc, bah, écoutez, on va partir sur un dernier, enfin, Joker qui ne compte pas. Mais je doute, hein, parce que sur le dernier, j'ai bien, bien donné. Allez, un essai à blanc pour le Xavier, qui a fait 16 tours. Ah, je suis choqué, hein. 3. Le coup comme par hasard. Ah, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Ah, j'avais pas de qui tourne. Voilà, plaqué. J'arrive, bébé, j'arrive. Bon, bah, 14 tours, hein. C'est 2 tours de moins que Xavier. Je suis choqué. Je suis choqué. En tout cas, c'était vachement intéressant. J'ai grave kiffé. Faudra qu'on trouve d'autres challenges. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées aussi, hein, en privé ou en commentaire, qu'on puisse analyser et voir ce qui est jouable et intéressant de faire. En attendant, je vous dis à vendredi prochain pour une autre vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres défis. Activez la cloche pour rien louper. Abonnez-vous, bien entendu. Et n'oubliez pas, c'est la Flatland Experience.